Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. De nos jours, les femmes et jeunes filles affectionnent-elles le pagne au point de le nouer comme c'était le cas autrefois? Dans ce journal, nous aurons des éléments de réponse. À Madagascar, Andry Rajoelina, vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec plus de 58% des voix. Mais avant, ce 25 novembre marque la journée internationale des violences faites aux femmes. Chaque jour, des milliers de femmes et de jeunes filles sont victimes d'humiliations, de privations, de harcèlement, de viols et violences sexuelles, d'homicides basés sur le genre, également appelés féminicides, de traitements inhumains et dégradants perpétrés au nom de traditions ou de lois injustes. Depuis sa création par les Nations Unies en 1999, cette journée vise à sensibiliser aux violences fondées sur le genre, mais aussi à s'inscrire dans un mouvement de solidarité internationale en soutenant et en portant la voix des femmes et minorités de genre qui luttent pour leurs droits fondamentaux. Comme annoncé dans les titres, dans les années 50, le pagne, un tissu avec des motifs, était beaucoup porté par les femmes de l'époque. Un corsage en pagne et un autre non cousu, noué à la hanche, attaché ou tenu par une ceinture également en pagne qui s'étend jusqu'à la cheville. Une pratique considérée comme la norme. Une manière de faire qui était appréciée des hommes et transmise de génération en génération. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ne se reconnaissent pas dans cette mode qu'elles jugent inappropriée et démodée. Nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Dieudonné Siloué se sont rendus dans la commune de Cocody, également à Bengerville et à Djamé-Bengerville, pour avoir une idée du port du pagne noué. Comme je le disais, le reportage est signé Théodore Zouzou. Ces étoffes, avec des motifs bien rangés dans ce magasin du marché de Cocody-Saint-Jean, sont appelées des pagnes. Les pagnes sont utilisées dans le vestimentaire et surtout beaucoup prisées des femmes. Cette jeune fille n'en porte pas ce jour, tout comme cette travailleuse de l'administration. Ils ne sont pas bien partis à l'hôpital et puis ils portent cette robe-là. Ils ont pour faire le pagne en robe avec la jupe. Je ne sais pas tâcher le pagne. Je n'ai pas eu la culture du pagne. C'est vrai, maman nouait le pagne juste de nuit, c'était une ménagère. Elle n'était pas habillée comme je suis habillée un seul jour. Non, elle ne s'est jamais habillée comme ça. Mais moi, ça s'impose à moi. Je quitte très loin pour venir. Et vu le transport en commun que je prends, ce n'est pas facile. Puisqu'un jour même, j'ai eu la jupe qui s'est fendue par l'arrière. Étant une femme au foyer, c'était gênant. Et puis, vu le problème de mobilité que j'ai, quand je porte un pagne, c'est serré. Mes pieds n'arrivent pas à bien... je n'arrive pas à bien marcher. Contrairement à ces deux, plusieurs autres femmes habillées en pagne démontrent leur attachement à cette matière, bien qu'elles ne la nouent pas. J'aime beaucoup m'habiller en pagne parce que, en tout cas, ça valorise la femme, ça fait africain en fait. En ville, on ne peut pas trop attacher parce que quelque part, ça défait. Et donc, on préfère faire les maxi, les jupes pour être plus à l'aise. L'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire public de Bengerville, qui n'est pas habillée en pagne, abonde dans le même sens. J'aime beaucoup me mettre en pagne parce que ça me met en valeur. Cette jeunesse pense que ça vieillit, c'est pas moderne et tout ça. Mais bon, je leur conseille vivement de revenir à cette culture-là. D'autres sortant de l'inspection ont fière allure et parlent de l'importance du troisième morceau à l'épaule. Le troisième pagne, c'est un peu le secours. Au cas où le maxi se déchire, et puis bon, si quelqu'un est dans un besoin, c'est pour l'aider. Cette sécurité assurée par le pagne est abordée par cette productrice de semoule de manioc appelée Atiéki. Nous portons le pagne avec le tissu quand nous sortons, quand on finira et on va à l'église, on s'habille normalement comme avant. Mais quand on est à la maison, on travaille, avec le travail de manioc, là on est débraillé, on peut porter tout pour travailler. Cependant, ces employés n'apprécient guère le pagne, qu'il soit noué ou cousu. Je porte les pantalons pour que je sois à l'aise. Parce que si j'attache pas, je défais, ça me fatigue. Moi, je suis beaucoup pantalon, robe. C'est quand je vais au travail que j'attache pas. J'aime pas trop le pain. Étant petite aussi, ils m'ont pas appris à attacher pain. Si toi, tu es mon homme à la maison, si tu aimes pain, que tu me dis d'attacher pain, je vais attacher. Mais les jeunes de maintenant, ils n'aiment pas trop quand leur chéri attache pain. Ils sont beaucoup culottes, robe, pantalon. Même vision pour les employés de ce magasin. Je n'ai pas envie de porter pagne pour sortir. Pour venir au travail, je dois porter un truc.
qui est stylé. Je n'ai pas envie de porter pagne. C'est démodé, ce n'est pas la mode. Tu vas aller à l'église. Tu peux t'habiller bien en pagne complet, tu t'en vas. Tu peux faire massif, comme en robe. Quand on veut la dot, on nous le pagne. Parce que c'est la tradition. Un avis que ne partage pas ce chef de famille à Djamé Bengerville. Avant, les femmes s'habillent très bien en trois pièces. Bon, maintenant, tout a changé. Elles sont en pantalon, tout et tout. Moi, je ne comprends pas. Les mamans doivent enseigner les enfants à s'habiller en pagne. Nouer le pagne ou le coudre et l'utiliser comme tenue de sortie n'est plus du goût de la nouvelle génération. Le port du pagne est désormais lié à des circonstances bien précises, telles que les cérémonies de dot et les sorties de génération chez certains peuples de Côte d'Ivoire. Rendons-nous en pleine ville à présent. En général, les populations abidjanaises n'ont pas une bonne image des apprentis de minicar, communément appelés Gbaka. Cependant, certains passagers estiment qu'il s'agit par moments d'un faux procès à leur encontre. Quel est l'état d'esprit des apprentis Gbaka qui parviennent à tirer leur épingle du jeu? Voici le constat de Yacouba Koulibaly qui s'était rendu récemment dans la commune d'Adjamé. Rond-point du quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. À la différence de certains usagers qui stigmatisent les apprentis des minicars, communément appelés Gbaka, bon nombre de passagers ont une bonne image d'eux. Mohamed Diarasouba, passager en partance pour Yopougon, a encore la nostalgie d'une histoire d'association de monnaie dans un Gbaka qui a occasionné le mariage d'un couple. Je connais une histoire d'association. L'apprenti a associé un monsieur avec une dame. Mais après l'association, à long terme, les deux conjoints, ils se sont mariés, mais c'est grâce à l'apprenti. Voilà, donc c'est quelque chose qui était lié à leur destin. Yacouba Sakane, apprenti, accorde du crédit à une relation harmonieuse avec les passagers de son véhicule de transport en commun. Il estime qu'en dépit des mauvais procès à leur encontre, il y a des apprentis consciencieux qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Notre souci, c'est de mettre en premier les passagers à l'aise. Parce que souvent, il y a d'autres qui ne montent pas avec la monnaie. Donc nous sommes obligés de les libérer avec la monnaie pour éviter plusieurs discours. Il y a d'autres aussi, ils montent, ce sont des policiers, tu ne savent pas. Tu vas l'associer, arriver devant, puis tu peux te créer un problème. Un avis partagé par Enoch Jean Kiassé, un autre apprenti de la ligne Adjamé Yopougon. Quand moi je suis au travail, je suis dans mon domaine de travail, mon objectif ce n'est pas avoir aucun souci à aller par les clients. L'apprenti joue un rôle important. Je vis des histoires, on achète de l'eau, ou moi souvent on gagne de la monnaie pour faire la monnaie aux certains clients. Moi souvent si ça tourne aussi, tu encaisses dans le camion, tu gagnes assez de monnaie. Traoré Lassina, au volant d'un minicar, reconnaît des attitudes maladroites des apprentis. Cependant, il pointe du doigt la provocation de certains clients. Souvent, il y a des personnes qui se comportent mal. Toi, tu montes, tu sais que non, transport fait 300. Mais toi, tu montes, tu donnes 500. Et puis, tu sais que non, tu dois descendre quelque part là où là on ne peut pas faire monnaie. Pour arriver à la destination maintenant, là, tu commences à faire du soir avec l'apprenti. Tu sais que tu dois faire doucement avec la personne. De nos jours, de nombreux apprentis font l'objet de critiques sévères concernant leurs écarts de langage envers les clients. En revanche, un minimum de respect et de considération à leur endroit serait une aubaine pour les encourager à adopter un bon comportement selon ces apprentis. Direction Daloa, dans la cité des Antilopes, on trouve un espace gastronomique dédié au garba, plat ivoirien à base de semoule de manioc, communément appelé atiké, accompagné de légumes et de poissons frits. Cet espace situé au quartier Tazibo est tenu par de jeunes Ivoiriens et c'est le lieu choisi pour bon nombre de personnes pour se restaurer. Noussangaré et Kader Bachil y ont fait un tour lors de leur séjour dans la région du Haut-Sassandra, suivant leur point. Bienvenue au Garba Center. Nous sommes en début de matinée à Tazibo, quartier situé dans la commune de Daloa, cité des Antilopes. Cet espace gastronomique est le lieu où se retrouvent les amoureux du garba, un plat ivoirien à base de semoule de manioc, communément appelé atiéké, accompagné de légumes et de poissons frits. Généralement, lorsque nous sommes de passage à Daloa, c'est un endroit de référence. Nous passons ici pour manger un peu de garba, se souvenir un peu des années universitaires. Voilà, nous faisons une pause, nous mangeons et nous continuons le chemin. L'espace est bien, l'espace est convivial. La première fois que je suis arrivé ici, à Daloa, voilà. En tout cas, j'ai été bien reçu, bien servi.
quand j'ai goûté, parce qu'on m'en a parlé, quand j'ai goûté, vraiment c'était bon. Et puis bien chaud, tout ça, donc ça m'a attiré. Au fur et à mesure que je viens ici, je passe de temps en temps manger. Voilà, quand je viens, je m'assois, je commande, on me sert tranquillement. Et puis... Ouais, le plat, 500. Je vois combien? 2. Ok. L'espace est tenu par des jeunes Ivoiriens. Baudelaire en est le premier responsable, titulaire d'un master en sciences économiques et de gestion. Bien que le diplôme en poche, c'est en 2011 qu'il se lance dans la vente des garbas pour subvenir à ses besoins. En sciences éco, j'étais formé pour ça. Donc, revenir encore, apprendre en même temps sur le sens, c'est-à-dire que je fais la pratique de ce qu'on m'a formé à l'université. L'idée est venue, j'étais encore étudiant à Mémos. Après la crise, ils ont fermé les universités. Je suis revenu à Daloa. Comme en cité, en tant que jeune étudiant, c'était du gaba qu'on mangeait couramment. Donc, arrivé à Daloa, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas mettre quelque chose en place ? D'enlever l'idée du gaba dans la tête de l'Ivoirien, que le gaba, c'est la nourriture qui n'est pas propre. Voilà, donc, on a enlevé ça en eux. Ils disent que le gaba, c'est une nourriture noble comme pour tout le monde, quoi. Voilà, donc, on essaie d'améliorer un peu les choses. Aujourd'hui, ils ne regrettent pas. Les week-ends, dimanche comme ça, ils peuvent vendre au moins 400 000. J'enlève mes dépenses, j'ai une image. J'ai les autres Ivoiriens aussi à s'intéresser au PME aussi. Pour les jeunes, de chercher à entreprendre, quoi. De ne pas vouloir toujours, j'ai les diplômes, puis aller toujours dans les bureaux. Ici, le garba se vend par kit à la somme de 500 francs CFA. Le kit est composé de la tiquée, l'oignon, tomate avec le cube, avec un poisson, avec plus de cubes agis, quoi. Donc ça fait le kit complet à 500 francs. Lucky, voilà, pas le deuxième feu, hein. Rapidement. Les gens vont quitter l'église tout à l'heure. Hein. On serait un peu débordé, donc un peu vite, vite, quoi. Dans cet espace, Baudelaire travaille avec une dizaine de jeunes et chacun a une tâche qui lui est dévolue. Mon rôle ici, c'est pour découper le condiment. Oignon, tomate, ail, oignon vert. Je peux couper tomate là, sans oignon, je peux couper un sac. Moi, mon rôle, c'est de découper le piment. Il y a deux fois, je peux faire 10 plateaux par jour. Il y a deux fois 20. Grâce à ça, j'arrive à acheter les petits chocs, mais sur moi, il me donne pas mal, quoi. Franck est chargé de frire les poissons. On a commencé avec le thon. Avant le thon, on avait les sauceaux aussi qu'on grillait. À un certain moment, ça manquait, donc on a préféré continuer toujours avec le poisson thon. On commence à partir de vendredi comme ça. Vendredi, on peut aller à 130, 140, samedi, 160, dimanche, 160 kilos. Maintenant, le dimanche comme ça, pratiquement, on peut aller au moins 175, 165 kilos. Ça dépend de la clientèle. À Daloa, le Garba Center est un espace qui ne désemplit pas. Une bonne affaire pour ces jeunes, la vente du Garba, une activité rentable. Ces jeunes n'hésitent pas à s'y adonner à cœur joie. Un mot de religion. Plusieurs familles de milieux défavorisés habitant dans la commune de Mans ont été soulagées grâce à des dons de l'évêque du diocèse de Mans, Mgr Gaspard Bébignéba. Ces dons, composés de vivres et non-vivres, s'inscrivent dans la vision du pontificat au Saint-Siège de Rome de cultiver la solidarité entre les êtres humains sans distinction aucune. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans vous sera proposé dans une prochaine édition. À l'étranger, au Tchad, la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 débute ce 25 novembre. Le texte adopté en juin par le Parlement de transition reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996. Le gouvernement promet que chacun sera libre de faire campagne. Et loin du Tchad, à Madagascar, Andry Rajoelina, président sortant, a été réélu à la tête de l'État dès le premier tour du scrutin présidentiel que 10 candidats sur 13 avaient appelé à boycotter. Il a été réélu avec 58,95% des voix. Ces résultats doivent encore être validés par la Haute Cour constitutionnelle. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur RTI2.